Ouais, toi? Ouais, ça va. T'as eu combien par ta mère ce mois-ci? Absolument rien. En ce moment, c'est la misère. En plus, je viens de m'engueuler avec elle. On fera avec, on va y arriver. Ah, je sais pas, hein. J'ai besoin d'argent pour payer mes cigarettes et ma bouffe, donc... Ah, on est jeunes, j'irais, mais... On va y arriver, nos parents, ils sont pas si démunis que ça non plus. Ouais, je sais pas... Bon, on va voir Lionel, là, il voulait nous voir et tout. Ouais, ouais, vas-y. T'as dit qu'on le rejoigne où? Il m'a dit qu'il m'enverrait un message sur la route pour rejoindre. Ouais, bon, je vais... Bah alors, qu'est-ce que tu veux pour ton anniv? Je sais pas, mais j'ai encore 2 mois pour réfléchir, non? Ouais, c'est pas faux. Et toi, boulot? Ça avance, ça avance. Normalement, dans pas longtemps, on devrait en avoir. Je vais confier à ton cher et tendre petit copain, mais je vais mettre Jason et Mélanie quand même dessus au cas où. Arrête de me taquiner avec lui. Je l'aime, c'est tout. Ouais, mais vous êtes jeune. Et alors? Tant mieux. Comme ça, j'en profite. Ouais, mais t'aurais pu choisir mieux. Je sais pas, moi, Lionel, il est plus réfléchi. Mais bon. Bah tant mieux. Comme ça, on peut en profiter. Et puis, comme ça, moi, je vais en profiter avec toi pour le boulot. Ça te dérange si je ramène le nouveau du lycée? Ah non, y a pas de soucis. Hein. Mais c'est qui le nouveau? On va dire qu'il est assez spécial. Ah. Et tu voulais nous voir pourquoi? J'ai envie de le savoir. Ah! Le voilà. Les gars, je vous présente Jason. Le nouveau du lycée. Salut. Salut. Oui, salut Jérémy. Salut. Je crois que vous avez des choses à dire. On va vous laisser. Comment il faut aller voir la meuf? On va la meuf, toi, c'est nouveau. C'est compliqué, mais. À tout. J'ai entendu comme quoi t'avais des problèmes d'argent. Alors du coup, je suis venu pour te proposer un marché. Je sais pas, il consiste en quoi le marché? Oh, rien de spécial, t'es juste à me rejoindre dans mon travail, c'est tout. Tu m'accompagnes. Et je ferai quoi dans ton travail? Bon, franchement, pas grand chose. Mais si tu acceptes, tu auras déjà une prime d'avance. Ouais, j'aurai la moitié de ce que tu me donneras à la fin. C'est ça. Ouais, c'est tentant. Moi, je veux bien. Ouais. Du coup, voilà ta prime. 10 000 euros, t'es sûr, mec? Ouais. Allez, t'en fais pas. Bon, demain, à 10h, au boulevard de la place. D'accord. Bon bah, merci et puis bah, à demain. Ouais, pas de soucis. Mais alors, il est où mon argent? Hein? Tu me la rends la prochaine fois. Oui, compris. Fais pas le malin avec moi. Bah alors, on se dégonfle au dernier moment? C'est simple. Tu rends les 10 000 euros au patron et on n'en parle plus. On t'oublie. Je ne les ai plus, les 10 000 euros. Tiens-moi. T'as mis ça où? T'inquiète pas, c'est moi qui gère, prends et voilà. C'est pour toi. On va te relâcher. Tu dis rien aux autres. Tu vas aller voir là et tu oublies cette histoire.
Ouais, non, il va pas bien en ce moment. Bah, il a perdu ses parents pendant l'accident, alors... Ouais. Bah, je sais que vous entendez pas tous les deux, mais... Ce serait sympa que tu sois bien avec lui. Franchement, ce serait cool de ta part. Bon, allez, à plus. Ouais, Nico. Ouais, j'aurais besoin qu'on se voit demain. Est-ce qu'on peut se donner rendez-vous au parc? Vers 15h, ça te va? Ouais, bah, pas de soucis alors. Ouais. Bon, allez. À demain alors. Ouais, Lionel? Ouais, j'ai eu une couille. Est-ce qu'on peut se donner rendez-vous au parc demain à 15h? Pour qu'on en parle avec Nico. Tu me tiens au courant pour savoir? Ok, pas de soucis alors. Bon, écoute, peut-être à demain alors. Ouais, allez, bonne soirée à toi aussi. Il est où? Bah, il avait des choses importantes à faire et il a refusé de me le dire. Ouais, bon, on va réfléchir. Ah, moi je veux bien, mais il nous faut plus de monde. Tu vois à qui je fais allusion? Non, pas Théo et Jeff, on a failli se battre plusieurs fois donc. On est obligé, mec. Et puis en plus, ils se sont portés volontaires. Non, je t'assure, je veux pas, il va me saouler. Et puis... on est là. Bon, les gars, on a besoin de vous. Je sais que vous entendez pas trop bien avec Jérémy, mais là, il a besoin de nous. Bon, c'est quoi le problème? Un mec du deal a foutu le feu à son appartement et il a tué ses parents. Putain. Ouais, même si j'aimais pas trop mes parents, ça me fait très mal. Bon, on va t'aider. Mais il faut que tu nous dises ce que l'on doit faire. Tout d'abord, il faudra se procurer des armes. Ça, je m'en occupe. Mon père, il va au stand de tir, je pourrais nous procurer qu'un seul pistolet par. On en a deux parce que j'ai réussi à leur en prendre un. Cool. Et après? Après, ils vont s'en douter. Ramener des renforts, faudra absolument faire attention et puis faudra faire vite aussi. D'accord. Et on fait comment pour Lionel? Tant pis, il répond pas. Voilà quoi. Ah non, là, il n'y a pas moyen de l'appeler. Bon, on fera sans lui. Tant pis pour lui. Bon, demain, amenez le matos. Ok. Le plan il est pas trop au point, hein. On verra ça sur la route et tout ça, hein. D'accord. Je vous dirai où vous placerez tout ça pour le plan. Donc, voilà. Bon, on y va. Thank you.
gars, vous êtes prêts? C'est bon, je suis prêt. Ouais, c'est bon, je suis prêt, les gars. Ils arrivent, allez-y. Bon, c'est réglé. Normalement, mais je sais pas, je sens qu'il va encore y avoir des emmerdes. En tout cas, Théo, Jeff, merci pour votre aide. C'est fini maintenant. Je ne veux plus en entendre parler de cette histoire. Pareil, c'est trop chaud. C'est pas un délire tuer des gens. Oui, mais bon, au moins, il n'y a plus de soucis. Mais bon, la fille qui nous a parlé... Oui, je sais. C'est bizarre ce qu'elle m'a dit. Mélanie ! Jason ! Putain, ils sont où ? Ils vont chier, mais... Maman ! Qu'est-ce qui se passe, maman? Ben... Et Lionel, il va bien? Ben... Jason et Mélanie sont morts. Faut réunir l'équipe au plus vite. L'histoire, elle est partie trop loin. Ouais, ok. Cette affaire, on va s'en occuper. Ouais, mais attends. C'est tes potes, ils sont dans la merde. Ils ont voulu rentrer, ils assument après. Bon, on y va quand? On peut y aller, je sais où ils sont. Suivez-moi. Suivez-moi. Hey, regarde, le nez, il est là. Hey, ça va pas les gars? Ouais, toi? Excusez-moi, je viens à peine voir vos coups de fil. Ouais, non, t'inquiète, c'est bon, c'est réglé. Ah bah, cool alors. Mais tranquille. Mais par contre, ce qu'on a fait l'autre jour, je pense qu'on va pas être tranquille. Ouais, pendant un moment. Bah merde. On va avoir un petit problème, je crois. Fais chier. Alors, bande de fils de pute! T'es qui toi? Merde! Lionel, t'es prêt? Qu'est-ce que tu fous? Bah con! Ferme ta gueule! Putain, Lionel, qu'est-ce que tu fous? Dans ta gueule! Ta gueule! Non, pas toi! Depuis le début, t'en sont! Pour une fille? Sérieux? Et ça t'a plus de foutre, toi! T'avais pas gagné, c'était pas content! Il est à mon service. Ouais? Pote, travaille avec moi. Sors pas ton frère, je te mets, hein. C'est que t'en as un! Laisse-moi! T'as ta gueule! T'es tout seul maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire? La seule chose que tu peux faire, et encore je te laisse ta chance, c'est me rejoindre ou je te bute. T'as le choix. Réponds! Dépêche! C'est quoi? C'est fini.
sens du sable.